Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. Voilà, donc on s'est arrêté la dernière fois sur la bataille de Nemossos, qu'on a remportée, bien évidemment. Bon bah ça a mis du temps comme vous l'avez vu, à cause de... d'une partie de l'armée Picton qui ne voulait pas attaquer. Voilà. Contre bataille, ouais, de raid, on s'en fout. On va faire louer aux défenseurs. Voyons. Ils ont pris cher. Très bien, oui, ce sont les Arvernes, c'est normal. Là, il me faut un tour, j'ai peur qu'ils prennent Genua. Les Pictons qui ont beaucoup d'armées, mine de rien, ça m'embête. Hein. Ça m'embête vraiment, vraiment beaucoup. Bon, au moins, c'est quoi? C'est les Servia. Je sais plus. C'est vrai que j'ai une sécession qui va se faire aussi. Et je veux que ça se fasse chez les Servia et pas chez les Papyria. Donc les papyria, je peux pas sécuriser plus. Merde. Qu'est-ce que... Le roi en plus, qu'est-ce qu'il vient foutre là lui? Bon, attendez, il faut que j'aille m'occuper d'une flotte arverne. Je sais pas ce qu'il fout là. Hop, les défensifs. On les tue. Oh. Amiral niveau 6. C'est bien ça. C'est vrai que j'en avais un autre. Un dictateur, le pauvre. Il est mort. J'aimerais limite être copain avec les Namnets qui viennent m'aider un coup parce que là. Encore? Oh, purée. Faut être persévérant. Hein. Bon, tu me diras, ça lui fera toujours l'entretien au pire. Compliqué ici, hein, c'est compliqué. J'ai pas assez d'unités. Je sais pas si là il va avoir les renforts. Il va avoir les renforts. Ouais, j'ai peut-être moyen de lui. Non, j'allais dire peut-être moyen de lui bouffer deux armées, mais. Surtout au vu des pertes que j'ai eues. Faut 4 tours avant. Ouais. Lui déjà, on va l'administrer. Ça aidera. Au niveau du Bibracte, on va aller leur voler de la bouffe. Et ça aidera aussi, je suppose. Là-bas, on va leur voler de la bouffe. Les Pictons, ils ont un sacré territoire. Ils ont un sacré foutu territoire. La manette, il... Ouais, il m'aime pas, mais bon, c'est pas... ça va. Y a une sacrée alliance grecque, hein, quand même, hein, sur l'Est. Hein. Faire attention à ça. Hein. Ouais, fabrication industrielle, des esclaves et... Les termes sont mieux par en croissance. Hein. Ok, ça me consomme pas de bouffe. Allez hop. Là, de la nourriture. De la nourriture à gogo. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est là. Oui, j'ai toujours pas ce qu'il faut, non. Pas la technologie nécessaire. Un tour, je suppose que là ça va être un ou deux, peut-être deux. Ouais, deux. Il n'y a pas le bonus de recrutement de l'Atium de Rome.
Ici, je vais avancer, je vais faire une embuscade. S'il tombe dedans, ça m'arrangerait. Hop, il n'y en a pas un qui peut monter d'un niveau là. Je crois que j'en ai un qui a gagné un rang. C'est pareil, c'est. Il y a l'âge qui est pris en compte peut-être. Ah! Oui, d'accord. Oula. Ouais, ça doit être dû à l'âge alors. Mélange entre âge et rang, je dirais. Très bien. Voilà. Je t'ai oublié, mon ami. Après, là, t'as bien entraîné les troupes, hein, déjà. Hein. T'as bien entraîné les troupes et ça va être plus important pour moi que tu entraînes ceux-là. Les toutes dernières, les toutes nouvelles troupes, les prétoriens. Ah, les prétoriens bien entraînés, les gars, ça a pas de prix. Hein. Bon, au pire, les Pictons font tomber Genua, ce sera pas très 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 grave. Et réattaque. Oui, bon, avec une armée à moitié bousillée, hein, donc mener la bataille sur le champ. Mais cette fois, la ville est romanisée. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout la tronche qu'a la ville. Waouh, attends, mais je comprends rien. Ah! Ok, on est sur cette carte-là. Ça m'arrange pas, ça. Attends, attendez, quoi? Je connais pas cette carte. C'est quoi le délire? Si, ok, c'est bon. Oh la vache. Oh, j'ai mis un moment pour me retrouver, hein. Oh putain. Je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas au premier degré la carte. Alors, on va mettre des troupes ici. Normalement, là, ils viennent pas, donc on s'en fout. Ils ont la cavalerie. Il n'y a pas l'air. Hein. Il n'y a pas de cavalerie, donc les chevaux de frise vont servir. Ouais. Très bien. Voyons, j'ai encore ça à placer. Ça, je vous fous là. Vous avez oublié. Ah oui, d'accord, oui. Je sais qu'ils vont avoir tendance à passer par là, mais je peux pas non plus passer mes trucs n'importe où, moi. Je sais pas si là je peux leur demander de tirer. Genre là. Même là, ce sera là-bas, ouais. Être pas mal. On va voir. Alors, j'ai quelques unités qui sont un peu blessées. Si je peux éviter de les utiliser, je le ferai. Ici, je vais bloquer avec ça. Là, je vais garder des unités en renfort ici au cas où. Ça, ce sont des unités de garnison, donc elles sont assez faibles. Je vais les foutre ici. Elles sont pas très importantes. Après, les levesses là, je vais peut-être pouvoir les utiliser là. J'aime bien. J'ai une unité de cavalerie qui a pris très cher, donc pareil, on va la foutre là.
Celle-là, si je pouvais éviter de l'utiliser. Et j'ai deux unités de cavalerie qui sont assez en forme. Bon, est-ce que j'en oubliais? J'ai peut-être oublié mon général, moi, par hasard. Voilà. Puis mon général. Je peux pas le foutre là, là. Dommage. Que je vais placer à l'abri là. J'ai des déployables, j'avais zappé. Ce sont des choses qui arrivent. La pente, il y a une pente, il n'y a pas de pente, hein, j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie pente. Je vais foutre ça là, je vais foutre la plèbe devant, faut bien qu'elle serve à quelque chose. Hop, c'est la plèbe qui s'en chargera. Comment ça méchant? Non, non, non. Pas de méchanceté. C'est pas mon choix. Ici, on va fermer le passage avec ça. Les chevaux de frise, comme je disais, on a rien à foutre. Là, je sais qu'il y a un passage. Là, ils aiment bien passer dans le coin. On va mettre des pièges et pareil. Bah c'est parti. Je vais faire sortir ma cavalerie déjà dans un premier temps. J'y vois rien. Une vraie purée de poids là. Je sais pas d'où viennent les renforts. C'est injuste de tuer ces répugnants abrutis, mais ça en vaut la peine. Je vais prendre la hauteur là. Je vais prendre la hauteur et je vais essayer de voir s'ils viennent pas par là-bas au cas où. Ils viennent par là-bas. Après, ils sont quand même sacrément déjà esquintés. Hein. Ils sont quand même déjà sacrément esquintés plutôt. Je vais les cacher. Je vais les planquer. Ah, ils sont encore bloqués, ça y est. C'est le bouchon sur l'autoroute là. Ouais, bingo. Là, je vais les mettre là au cas où il y a quelqu'un, mais. Ah ok, il en fait venir quand même. Ok, bah attaquez-moi général. Oh merde, j'aime pas ça. Non, 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 je déconne. Ok, tirer ici là en espérant que ça passe. Merde. Les artilleries, je peux pas bien les utiliser, c'est chiant. Bon là ils vont essayer de passer, mais il va rien se passer. Ils vont pas réussir à faire grand chose. Là je vais envoyer ma cavalerie tranquille. Attends, me dis pas qu'ils sont bloqués ou encore. Non, c'est bon. Moi j'envoie ma cavalerie pour attaquer par l'arrière, hein, franchement. Ouf, est-ce que j'ai vraiment besoin de la cavalerie? Regardez ça. On va faire mieux que la cavalerie. La cavalerie, elle va aller là-bas. Hop, eux. Je sais pas si je peux tirer là. Non. Est-ce que je peux prévoir un tir ici, peut-être? Qui c'est avec un. Ah bah attends, juste devant. Regardez-moi ça là, il y a un beau passage ici. Je sais pas si ça marchera. Ah ouais, ça marche même très bien. Quelques bonnes pertes. Là nous on va avancer ici, on va lâcher toutes nos munitions, tous les pilums. C'est surtout ça qui va être important. Là-bas ça avance mais tranquillement. C'est vrai que là... J'ai ça à utiliser. Allez. Je sais pas si ça va bien rouler hein. Waouh. Impressionnant. Ils sont gentils, ils sentent pas le dessus.
Ils sont gentils quand même. Ils sont cons. Surtout. Ah merde. Alors là, ouais. Voilà, c'est pour ça que je voulais emmener ma cavalerie au cas où. C'est que là, regardez. C'est que ces salauds, ils me tirent par l'arrière. Et alors ça, c'est pas bon. Ça fait souvent des grosses, grosses pertes. Bon, allez, les mecs, là, on fait du feu à monter. C'est parfait. Ça se passe bien. Là, j'ai une double charge. Voilà, déjà, ils vont arrêter de m'attaquer. Oh, purée. Alors, eux, par contre, stopper le feu à volonté, les mecs. Et là, plutôt le mettre là-bas, ouais. Je sais pas s'ils vont avoir le temps. Ok, ma cavalerie a fait le café ou pas? Non, oui. Si. Ah, j'ai des chevaux de frise. Alors que on va éviter de se les prendre, les chevaux de frise, j'avais zappé. On va faire le tour. Ça devrait aller. Devrait pas y en avoir trop qui se les prennent. Oh, vous avez entendu là? Ça marche bien? Les balistes, elles ont bien marché? Hop, une fois que ce sera fait, on va passer par là-bas. Allez, on se dépêche. Non mais, ils sont en train de se barrer. Et ensuite, ils ont 20 morts, et ensuite ils sont... Oh non, bah non, c'est bon en fait. Pardon, comment ça? Voilà. Là, ils ont utilisé toutes leurs munitions, j'ai l'impression. On va charger. Voilà. Ah, mais bien évidemment, on va pas se faire prier, tout le monde à l'attaque. Voilà. Alors, par contre, je vais arrêter le feu à remonter, les mecs. Oui, on va voir s'il y a quelques tirailleurs, ok, des lanciers d'élite en... Ouh! Des lanciers d'élite, hop, allez, passer par là-bas, ce sera mieux. Mais écoutez, s'ils veulent pas avancer, on va aller chercher, là j'ai quelques munitions utilisées avec les balistes. Voyons voir, mon général, ça se passe bien. Ils ont quoi, des jeunes celtes? Ouais. Ils ont des munitions, ils ont des munitions. Ouais, on va les rapprocher. Et là, ça se passe. Oh putain, alors j'aime pas le bruit que ça a fait. J'aime pas l'emplacement du bruit. J'ai pas trop aimé. Ouais. Oh merde. Oh, je suis sûr que là, je me suis pris des tirs alliés. Oh la vache, ah ouais, 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 ici, là, je sais pas si vous avez vu. Si c'est bon, là, ou pas, au niveau hauteur. Ça devrait être bon au niveau de la hauteur. Non, c'est pas bon du tout. C'est clairement pas bon du tout. Là, ça se passe comment? Ça se passe. Une faiblesse sur les lanciers d'élite, allez. On resserre, on resserre, on resserre. Ça, c'est de la plèbe. Ma cavalerie, elle est bien. Je les mets en mode garde, j'en veux un sur lui. Et un sur lui. Eux, ils ont rien compris, ils vont au corps à corps, non, c'est ça. Ça va. Ils touchent 0. Hein. Ils sont mauvais. Hein. Oh, ils sont mauvais de chez mauvais. Hein. 20, 39 et 72.
Waouh, 19, 39 et 72. Waouh, il y a eu un mort en une centaine de javelots. Hein. Ici, ça se passe comment? Il reste un général et une unité de guerriers fidèles. Les guerriers fidèles, hop, allez. Bon. Et tout ce qu'on a dessus. Bon, ils prennent cher. Ils sont sacrément chers. Okay, ils sont sacrément fidèles, hein, parce que 34 là... 33 les mecs, ils sont bien. Ah, ils sont en chasse à l'homme. Ils ont une défense en mêlée absolument exécrable, mais... Mais ils font mal. Allez, on resserre. Pareil pour le général, là, il est en chasse à l'homme. Resserrez-moi tout ça et faites-lui des dégâts pendant qu'il est faible. 25, 24, 23, 22, 21, et 21 sur 160, voilà. Ils sont général maintenant. Oh, que dalle. Allez, finissez le mois là. Je veux pas savoir là, je veux que vous lui fassiez foutre tout le reste dans la tronche là. Je peux pas trop m'avancer à cause du guerrier fidèle. Impec. Je vais envoyer un renfort là-bas. Et je vais les envoyer faire le tour. Je vais les envoyer contourner. Alors que oui, au pas de course, parce que là ça craint. On redonne un bon coup au moral là avec rallié, je suppose que c'est ça. Ouais. Avec toi, essaye d'avoir des tout ce que tu peux en boost. Plus mal qu'autre chose quoi, c'est terrible. Après t'as ces unités distance qui commencent à venir. C'est le bon côté. Oh, je peux m'avancer là, je vois plus ces unités. Allez, on va s'avancer ici. Là on voit aucune unité qui nous bloque le passage. Bingo. Par contre on va aller les chercher, y a pas à dire. Vraiment, vous êtes obligé de passer par là. Là, il y a une route là, putain. Une route, et si vous faites accrocher, je vous jure que je vous défonce un par un. Je vous prends, je vous défonce un par un. Allez, bougez votre fiac là. Vous êtes bloqué par quoi? Il y a des feuilles, c'est ça? Il y a des feuilles par terre, vous voulez pas marcher dessus? Ouais, c'est un peu ça. Hein. Ok. Ensuite, on se place. Voilà. On essaye de se placer parce que moi je suppose que c'est pas gagné d'avance. Hein. Ok. Pour l'instant, ça va. Ne vous faites pas accrocher, ne vous faites pas accrocher. Ok, c'est bon. Hop, et elle est visée là. Meta, le Rorari. Veille de tes copains, toi tu stops. Vous allez au corps à corps. Et on va finir sur une mêlée générale. Allez, tout le monde là. Voilà, ça va bien leur foutre une pression. Ils vont pas aimer la blague. Hop, on augmente les stats. Là, ils sont entourés de partout. Voilà, voilà, voilà. Et avec la cavalerie, on ira chercher tous les fuyards. Hop, tiens. J'ai la cavalerie d'un côté, je vais me prendre de l'autre. Hop, les deux unités de cavalerie, là, on va aller poursuivre les fuyards. Hop, il y a une unité là. Continuez.
revenir gros comme un camion. Impec. Est-ce qu'il y en a qui passent de l'autre côté? Oui. Et général, pareil. Toutes les unités. Petites unités de cavalerie là. Lancer d'élite là. Il faut absolument pas qu'il y ait de survivants de ce truc là. Et mon général. Mon général qui va vers les chevaux de frise là. Putain. Il a foncé sur les chevaux de frise. Bon, bah, eux ils ont foncé sur les chevaux de frise. Mon général, mais il voit des chevaux de frise, il fait. Oh tiens, on va les tuer. Alors, ça va. Quand même encore pas mal de pertes. J'ai pas pu utiliser ma baliste. Mes balistes à bon escient cette fois. Ça a été problématique. Mais les légionnaires ont bien tenu. Les légionnaires ont vraiment bien tenu. Il a fait 3000 pertes. Il va plus rester grand chose de ces deux armées là normalement. Respectivement une unité par armée. Très bien, on va lui laisser. Espion, triomphe, impeccable. Encore une troupe Picton dans le coin là-bas. C'est compliqué. C'est compliqué, hein. Je manque un petit peu de troupes par rapport au nombre de factions contre lesquelles je dois me battre. Est-ce que je peux arriver à Bibracte? Je peux arriver à Bibracte. Ils sont pas beaucoup, je peux prendre Bibracte. Je vais prendre Bibracte. En plus, ça me fera une bonne position fortifiée en plein milieu des territoires gaulois. Quitte à le payer un peu cher la prise de la ville. J'en profite. Voilà, j'occupe. Il y a quand même de sacrés territoires. Hein. Même les Pictons, je vois Pictons jusqu'à là, là. Terrible. Il s'est mis bien. Je vais l'envoyer là-bas, lui. J'ai pas quelqu'un là, dans le coin. Non, j'ai pas une. Ah oui, non, mais c'est vrai, il est sur l'armée. Impeccable. Toi, hop. Voyons voir. Au niveau de la sécession, faut aussi que je fasse attention à ça. C'est les servilia. J'oublie à chaque fois. Donc je vais me faire sécessionner les servias, donc ça, je voudrais bien sécuriser. Je vais les purger un coup là. Je vais sécuriser ici. Et je vais les provoquer. Ok. Ok. C'était pas prévu ça. Je pensais que c'était déjà recruté, mais non. Oups. Oupsi. 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 Ah, ils sont 10! La vache. C'était doublement pas prévu ça. Pas bien grave. On a Bibracte. C'est très bien. On va en faire un autre point de recrutement. Donc on n'est pas trop loin de l'Italie en vrai. Y a quoi à Bibracte? C'est petit, y a de l'amnétum. Y a du bois, y a assez. Ouais, non. P, Bibracte, Rome, non, c'est pas loin. Non, 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 on va pas faire un point de recrutement de suite. Hop, ça on peut pas, ça on peut pas, ça on peut pas, et ça on s'en fout. Voilà, ça c'est fait.
Un modèle de Vulcain pour les revenus industriels. Ouais, est-ce que j'ai moyen de recruter de nouvelles troupes? Connais Julia, hein, mais Julia, j'ai pas envie de m'entendre mal avec eux. Allez, tu sais quoi? Ah bah je peux pas. De toute façon, je peux pas. Je suis complet. Tiens, j'ai cru voir un délire chelou là. Non, c'est bon. Toi, tu... bah t'entraînes là-bas? Oh merde. J'avais totalement perdu le fil là, c'est bon. C'était parti loin. Ok, on a pris Bibracte, Nemozos, on tient pour l'instant. J'ai pas envie de lui finir ces armées-là parce que il va devoir les ramener chez lui, les réentraîner, les machins. Là, autant profiter pour qu'elle soit reconstituée 4 tours, hein, c'est pas mal. Là, je sais pas si je peux aller choper lui. Et là, il va fuir. Il va fuir, en plus il meurt de faim vu qu'il a plus de ville, donc ce sera bon. Et on va terminer le tour. Les Arvernes, ils ont même pas attaqué, hein, les Arvernes, ils sont tellement dans le mal. C'est parti du Sénat, ils ont rien pu faire. Les Pictones, ça c'est toujours la question. Oh, ils ont rien fait, ok. Eh ben on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Ah, j'espère qu'il vous aura plu. On aura réussi à soumettre les Arvernes. Oh, naissance, trop bien. On aura foutu quand même là la piquette aux Pictones là en un ou deux épisodes, ils auront pris cher. Hein. Regardez-moi ça, on a débloqué nos casernes de la Légion avec les gardes prétoriennes, les cohortes d'Evocati, les cohortes de légionnaires. Et si je me trompe pas, on va pouvoir améliorer nos unités. Allez, un grand merci à tous d'avoir suivi. Ah, ça commence à être bien là. Je vous dis à la prochaine, c'était Thiom.